Attends, il y a un truc qui m'échappe. J'en aurai fini avec toi. On pourra garer un carrosse dans ton cul. J'espère que c'est au monstre que tu parlais. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu dis ça au monstre quand il est mort? Les gens ont vraiment des mœurs bizarres par ici, hein. Ça, c'est la tour. Ça marche pas. Ben, je suis censé aller par là, mais... Ah, par la tour. C'est toi. Je sais pas. Je suis censé aller là. Par là, je peux pas. Je sais pas. Ayem Gepo Mert. Ah, ok. Non plus. Ah, je suis paumé, ça m'énerve. Non plus. Fait tout le tour, on finira bien par trouver un accès. Nain qui est en train de pisser bien tranquillement au mur. Des pillards. Tout est bloqué. Je peux passer nulle part. Hein. Ça c'est bloqué. J'ai jamais rien vu de plus bizarre que ce Gugus. Bon, t'as de la chance que j'ai autre chose à tuer. J'ai les couilles qui grattent. On s'en fout. Ça, c'est l'hôpital. Ça, c'est bloqué. Ouh, mais par où est-ce qu'il faut passer, bordel? Ça ne s'arrêtera donc jamais. Là, il y a bien un passage. Avec un garde, mais je peux pas passer. Je l'ai fait 40 fois, ça n'a jamais fonctionné.
Celui-là, il marche. C'est ça, venez. Feu! Ouah, ça rame. Aïe, 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 dégage. Hey. Mon dieu, mon armure en métal est en feu. Aïe, ah, y'a trop de flammes. Et l'autre, il s'en fout complètement. Le mec, il est là, en train de siffloter tranquillement. Non, non, moi, j'ai rien vu. Tu crois peut-être que je vais t'épargner. Tu as tort. Couché. Bon. Égorgé. Espèce de feignasse. Il y a l'elfe mort qui a des spasmes. Et boum! C'est bon que tu sois là. Écoute, Yevin mijote quelque chose. C'est nous bon. Nous allons monter une attaque frontale. Créer une diversion, ça lui donnera une chance. On croirait entendre Zoltan. Bon, est-ce que ça marche cette fois? Aïe, 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 aïe. Je viens de me prendre une branche dans la figure. Ah! Eh mais ils sont fous. Feu. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites, les arbalétriers, j'arrive plus à le dire. Voilà, hop. En plus, t'as un chapeau ridicule. Ouais, c'est le moment de te mettre du vernis à ongles. Touché. Retouché. Allez, là, si t'es pas morte. Adieu. Tu l'as bien mérité. Bien cru qu'elle allait encore se relever. La seconde flèche lui a percé le cœur. Elle n'avait aucune chance. Et on disait que Ryla la Blanche avait un cœur de pierre. Ha ha ha, c'est le moment de faire de l'humour, tiens. Cimetière du Marais. Ah bon. Comme ça, direct. On est enfin sorti de cet enfer. Tes amis doivent être en sécurité. Attention! Des monstres! Attire-les loin des réfugiés.
Pas la peine de me le dire deux fois. Ah oui, ok. Rien que ça. Et ma potion est encore usée. Fuck! Aïe, 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 aïe. Hey! Mais tu te fous de moi. Ah, c'est pratique. Par la rose ardente. Tout va bien? Vous tombez à pic. Je suis Jacques d'Aldersberg, grand maître de l'ordre de la Rose Ardente. Gérald de Rive, sorceleur. J'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos exploits. D'une source très fiable. Expliquez-vous? Gérald de Rive, qui me demande des explications. Lui qui dispense son savoir aussi généreusement. Pardonnez-moi de ne pas rire. N'y voyez nul manque de respect. Je n'ai juste pas compris. Je ne compte pas m'expliquer. Contrairement à vous, je suis un homme d'action. Vos pseudo-réflexions philosophiques me feront un souvenir amusant. Le temps est notre unique professeur, sorceleur. Seul le recul nous permet de comprendre ce qui est bien, qui est humain. C'est-à-dire pas toi. Le monstre, c'est toi. Et comment le vaincre? Je ne suis pas d'humeur aux devinettes. Alors dites-moi ce qui vous rend si amer. Sinon, nous nous quitterons en froid, pour le moins. Pardonnez-moi, je suis parfois irascible. Vous devez savoir qu'on me raconte parfois vos exploits, et si je ne les approuve pas tous, je les écoute toujours avec le plus grand intérêt. Et comment me suis-je attiré l'intérêt du grand maître de l'ordre de la Rose Ardente? J'aime savoir ce qui se passe dans Temeria. Ça m'aide à être toujours au bon endroit, au bon moment. Oui. À ce propos, merci de votre aide. Même si vous n'êtes pas humain, le devoir de tout chevalier est d'aider ceux... Dit-il alors qu'ils sont en train de massacrer tout le monde dans la ville. C'est notre vocation. De belles paroles, bien creuses, alors que résonnent encore les cris de ceux qu'on assassine. Elles ne s'appliquent donc pas aux elfes et aux nains. Vous faites erreur. Le serment de l'ordre est tout à fait clair. Tout chevalier doit faire respecter la loi. Vous ne pouvez nier que le soulèvement des non-humains est une menace pour l'État. L'ordre a été fondé pour faire respecter la loi, maintenir l'ordre et assurer notre survie à l'approche du froid immaculé. Vizima a été bâti sur des ruines elfes. Nous savons tous deux que cela n'excuse rien. Je regrette ce qui se passe. Mais ce sont les non-humains qui ont pris les armes. Il n'y a qu'une seule façon de sauver le monde. Ouais, en rasant ta barbe. C'est ça. Vous ne connaissez rien de l'ordre. Non. L'ordre est un concept. Je m'en fous. Des fondations jusqu'à son sommet. Vous me piquez mon boulot, moi j'en ai rien à cirer. Une vision. Nous visons à l'émergence du nouveau monde, du nouvel ordre qui s'installera après le froid immaculé. Un monde où chacun réussira par son mérite et non par sa naissance ou ses relations. Un monde où le fort aidera le faible et où le crime sera sévèrement châtié. Un monde de principes clairs et d'idéaux. Sachez que chacun peut nous rejoindre, qu'il soit paysan, marchand ou même sorceleur. Les chevaliers n'ont pas de salaire. Oui, c'est ça le problème. Seuls leurs faits d'armes peuvent leur valoir une promotion. Et c'est vous qui déciderez qui mérite de vivre dans votre monde idéal? C'est de la démagogie. Des mots qui cachent un désir de pouvoir absolu. Bien répondu. Après tout, vous devrez remettre les égarés sur le droit chemin. Non, Jacques. Votre paradis ne m'intéresse pas. J'espère que le moment venu, vous comprendrez. Je ne vous retiens pas.
mais je n'aime pas devoir quelque chose. Vous avez payé votre dette. Je ne comprends pas. Vous ne me devez rien. La pause est terminée. À vos rangs. Adieu. Ok. Bon, je n'ai pas tout compris dans l'histoire, mais c'est pas grave. Je les guiderai jusqu'à la grotte des druides. À plus tard. Ok. Route de la vieille Vizima, grotte des druides, grotte des réfugiés, ancienne mine, crypte de la Strige et crypte du corbeau. Donc, crypte de corbeau, ça doit être... Attends. Ah, corbeau, c'est cette quête-ci. Bon, il y avait une mine, ça je me rappelle. De quoi suis-je le plus près? Ben la mine apparemment. Bon, on va encore se faire agresser par tout ce qui passe. On ne voit rien comme d'habitude. Putain, comment est-ce que tu veux t'y retrouver là-dedans? Ah. Vous avez peur. Vous avez bien raison. Cassez-vous. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Contre cela, je ne leur fais aucun effet. Ah, quand même. Petits êtres minables. Hey. C'est tout à fait logique de brûler quelque chose qui est dans l'eau d'ailleurs. Bon, on va suivre Zoltan, il a l'air de savoir où il va. Ici. En fait, c'est pas très pratique, il s'enfuit. Donc il avait dit feu air, c'est ça, hein. Ah, il y a déjà une petite qui mort là qui se croise avec le permis. Elle croit qu'elle peut m'empoisonner. Bah, il était blindé, lui. Feu. On n'avait pas tué la reine des Kikimors. Entre guillemets. Oh, tu te fous de moi. Allez, viens ici aussi, toi.
moment de faire ta danseuse étoile, toi.